L'appareil appartient à l'école de chasse de l'armée de l'air. Un Alpha Jet qui s'est écrasé sur deux bâtiments, ceux d'un foyer de personnes handicapées de la commune de Vouvray. Dans un communiqué conjoint, les ministères de la Défense, de la Santé et de l'Intérieur annoncent que l'accident a causé la mort d'une personne, en a blessé au moins six autres. Il y avait d'autres résidents qui n'ont pas été touchés, mais qui ont été choqués. La préfecture essaye de les accueillir dans d'autres structures, parce qu'il faut les accompagner psychologiquement, bien sûr. Tout cela est extrêmement traumatisant pour des personnes qui sont déjà fragilisées. Les deux pilotes, l'élève et son instructeur, ont dirigé l'appareil vers une zone qu'ils pensaient inhabitée, selon le commandant de la base. Ils ont ensuite réussi à s'éjecter avant le crash. Ils sont sains et saufs. Ils effectuaient une mission d'entraînement. Un incident technique serait à l'origine du drame.